Bonjour. Dans la version précédente de cette application, on a rajouté un curseur animé pour pouvoir choisir la langue de celui qui parle en complément du choix de la langue dans laquelle on traduit. Pour ça, on a remplacé le composant de reconnaissance vocale d'App par une extension qui vient de Typhoon. Et ce composant de reconnaissance vocale, lui, permet de choisir la langue. C'est ce que permet ce bloc vert. On a donc maintenant la possibilité de traduire de n'importe quelle langue vers n'importe quelle autre. Ce que l'on va faire dans cette nouvelle version de l'application, c'est traduire dans une direction, par exemple du français vers le chinois quand on tient le téléphone vertical, et traduire du chinois vers le français quand on tient le téléphone horizontal en direction de l'interlocuteur. On va donc pouvoir avoir une conversation. Pour savoir si le smartphone est vertical ou horizontal, eh bien, on a rajouté un accéléromètre et ensuite on a fait des essais en affichant en permanence ou à chaque fois que le téléphone bouge les valeurs de l'accélération en X, en Y et en Z. Et on a pu constater que quand l'accélération en Z est inférieure à 5 ou 6, eh bien, c'est que le téléphone est vertical et quand il est supérieur à 5 ou 6, eh bien, c'est que le téléphone est horizontal. On a donc défini la variable verticale que l'on va mettre à vrai si le téléphone est vertical, c'est-à-dire si l'accélération est inférieure à 5, et sinon, c'est qu'on est en horizontal et la valeur est supérieure à 5. Et on peut ensuite masquer et désactiver ce bloc. Revenons maintenant au programme principal. La langue que l'on va écouter, celle que l'on va traduire, ne seront pas toujours celle du curseur utilisateur et celle de l'interlocuteur, ça va changer. Donc on va introduire deux variables, la variable langue à écouter, que l'on va écouter, à la place du curseur utilisateur, et la langue à traduire, que l'on va traduire. Et quand on clique sur le bouton dicter, avant d'appeler la fonction de reconnaissance vocale, on va appeler une procédure pour choisir la langue à écouter et celle à traduire. Et dans cette procédure, eh bien, on va examiner si vertical est vrai. Si oui, la langue à écouter sera celle qui est sélectionnée par le curseur utilisateur et celle à traduire sera celle qui est dans le curseur interlocuteur. Et si la variable verticale est fausse, eh bien, ça sera le contraire. La langue à écouter sera celle de l'interlocuteur et la langue à traduire sera celle de l'utilisateur. Voilà, on a maintenant terminé le programme qui comprend vraiment deux parties. La partie à gauche qui correspond au programme initial et la partie à droite qu'on vient d'ajouter et qui correspond à tester la verticalité du téléphone et à choisir la langue en entrée et en sortie. On va maintenant pouvoir tester. Je lance l'application en mode connect. Téléphone vertical vert, je vais dire quelque chose en français, puis je vais pencher le téléphone, il va passer au rouge et je vais dire quelque chose en anglais. Bonjour, je suis à Paris. Hello, I'm in Paris. Hello, I'm in London. Bonjour, je suis à Londres. Voilà, donc on a une petite appli qui permet de parler d'une langue dans une autre et d'avoir la réponse.